Dieu, viens à mon aide. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon votre parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Daigne, Seigneur, répandre ta grâce dans nos âmes, afin qu'ayant connu par le message de l'ange l'incarnation du Christ, ton Fils, nous arrivions par sa passion et par sa croix à la gloire de sa résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Vendredi 11 septembre 2020. Les textes sont lus par Odile Diago, sœur de Notre-Dame des Apôtres, et Gbedegbe Kwami Marcel, diacre de la Société des Missions Africaines, et commentés par Augustin Kassa, père de la Société des Missions Africaines. Première lecture. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 9, versets 16 à 19, 22 à 27. Frères, annoncer l'Évangile, ce n'est pas là pour moi un motif de fierté. C'est une nécessité qui s'impose à moi. Malheur à moi si je n'annonçais pas l'Évangile. Certes, si je le fais de moi-même, je me mérite une récompense. Mais je ne le fais pas de moi-même. C'est une mission qui m'est confiée.
Alors, quel est mon mérite? C'est d'annoncer l'Évangile sans rechercher aucun avantage matériel et sans faire valoir mes droits de prédicateur de l'Évangile. Oui, libre à l'égard de tous, je me suis fait esclave de tous afin d'en gagner le plus grand nombre possible. Avec les faibles, j'ai été faible pour gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous pour en sauver à tout prix quelques-uns. Et tout cela, je le fais à cause de l'Évangile, pour y avoir part moi aussi. Vous savez bien que, dans le stade, tous les coureurs participent à la course, mais un seul reçoit le prix. Alors, vous courez de manière à l'emporter. Tous les athlètes à l'entraînement s'imposent une discipline sévère. Ils le font pour recevoir une couronne de laurier qui va se faner, et nous, pour une couronne qui ne se fane pas. Moi, si je cours, ce n'est pas sans fixer le but. Si je fais de la lutte, ce n'est pas pour en frappant dans le vide. Mais je traite durement mon corps, j'en fais mon esclave, pour éviter qu'après avoir proclamé l'Évangile à d'autres, je sois moi-même disqualifié. Parole du Seigneur. Veillez, répétez après moi le repos du psaume 83. De quel amour sont aimées tes demeures, Seigneur de l'univers? Mon âme s'épuise à désirer les pavis du Seigneur. Mon cœur et ma chair sont un cri vers le Dieu vivant. De quel amour sont aimées tes demeures, Seigneur de l'univers? L'oiseau lui-même s'est trouvé une maison et l'hirondelle un nid pour abriter sa couvée. Tes autels, Seigneur de l'univers, mon roi et mon Dieu. De quel amour sont aimées tes demeures, Seigneur de l'univers? Heureux les habitants de ta maison, ils pourront te chanter encore. Heureux les hommes dont tu es la force, tes chemins s'ouvrent dans leur cœur. De quel amour sont aimées tes demeures, Seigneur de l'univers? Le Seigneur Dieu est un soleil, il est un bouclier. Le Seigneur donne la grâce, il donne la gloire. Jamais il ne refuse le bonheur à ceux qui vont sans reproche. De quel amour sont aimées tes demeures, Seigneur de l'univers? Parole, Seigneur, est vérité. Dans cette vérité, sanctifie-nous. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Luc chapitre 6, versets 39 à 42. En ce temps-là,
Jésus disait à ses disciples en parabole. Un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Ne vont-ils pas tomber tous les deux dans un trou? Le disciple n'est pas au-dessus du maître, mais une fois bien formé, chacun sera comme son maître. Qu'as-tu à regarder la paille dans l'œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas? Comment peux-tu dire à ton frère, « Frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil, alors que toi-même ne vois pas la poutre qui est dans le tien. » Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Acclamons la parole de Dieu. J'entraîne mon corps pour éviter qu'après avoir proclamé l'Évangile à d'autres, je sois moi-même disqualifié. Voici les paroles de l'apôtre Paul dans la première lecture d'aujourd'hui. Je suis sûr que nous avons tous fait l'expérience de rencontrer des panneaux publicitaires au bord des autoroutes ou au bord des grandes routes chaque fois que nous voyageons. Ces panneaux publicitaires ont le devoir de nous indiquer où aller. Ces panneaux publicitaires ont pour devoir de nous indiquer où, à combien de kilomètres se trouve la prochaine ville que nous allons rencontrer. Mais remarquez une chose, ces panneaux publicitaires n'arrivent jamais à la ville qu'ils indiquent. Ces panneaux publicitaires ne voyagent jamais sur le nombre de kilomètres qu'ils indiquent. Ils sont toujours fixes, indiquant la voie aux autres. Bien qu'hier, Saint Paul nous a encouragés à vivre notre vie et notre foi de manière à attirer les autres et à les conduire à Jésus-Christ pour le salut, il refuse et rejette l'idée que nous ne soyons que des panneaux publicitaires qui indique la voie du salut aux autres sans y parvenir nous-mêmes. La vie chrétienne n'est pas une vie d'hypocrisie. Elle n'est pas une vie de faire semblant juste pour que les autres puissent apprécier. La vie chrétienne est une vie dans laquelle nous enseignons par notre propre exemple de vie. Nous devons travailler dur à être parfaits comme notre Père Céleste est parfait. Nous devons travailler dur dans les paroles de Saint Paul afin d'entraîner notre cœur à faire le cheminement qui nous conduira au ciel. Dans les paroles de Jésus-Christ, nous devons travailler dur à enlever la poutre qui se trouve dans notre œil afin de pouvoir aider le frère, la sœur, à enlever la paille qui se trouve dans le leur. Alors prions et implorons Dieu de nous donner la force dont nous avons besoin afin d'être des chrétiens dynamiques, capables d'entraîner leur propre corps pour le salut et d'entraîner les autres à aller vers Jésus-Christ pour leur salut. Que Dieu bénisse sa parole dans notre cœur. Amen. Le Père, le Fils
et le Saint-Esprit. Amen.